Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat eine äußerst bewegende Biografie. Als er fünf Jahre alt war, wurden seine Eltern in den Konzentrationslagern von Auschwitz ermordet. Er selbst entkam nur knapp dem Tod und wuchs bei Pflegefamilien als Waisenkind auf. Dieses frühe Trauma prägte sein gesamtes Leben und auch seine wissenschaftliche Forschung als Neuropsychiater. Boris Cyrulnik ist heute 85 Jahre alt und einer der wichtigsten Experten, wenn es um Resilienz geht, um die Fähigkeit also, besonders belastende, dramatische Erfahrungen zu überstehen und manchmal sogar an ihnen zu wachsen. Herr Cyrulnik, in Ihrem berührenden autobiografischen Buch „Rette dich, das Leben ruft“. qui euh, vor 10 Jahren erschienen ist schreiben sie gleich zu beginn dass sie nicht nur einmal geboren wurden sondern zweimal wie muss ich das verstehen la première fois je n'ai aucun souvenir de ma naissance je sais que je suis arrivé au monde parce qu'on me l'a dit la deuxième fois euh, j'ai un souvenir très fort de ma naissance c'était plutôt ma renaissance c'est-à-dire que j'ai été condamné à mort à l'âge de six ans et demi et quand j'ai réussi à m'évader, je me suis remis à vivre après la guerre. Et là, c'est ma deuxième naissance, celle qui est consciente, alors que la première n'est pas consciente. vous 1937 in Bordeaux en euh, 1944. Euh, bei einer razzia äh, gefasst äh, und in der synagoge von bordeaux äh, eingesperrt das waren damals 1700 jüdinnen und juden die da eingesperrt wurden zwei davon haben überlebt einer waren sie mit sechseinhalb jahren wie haben sie das geschafft eh bien euh, j'ai compris qu'on voulait nous tuer j'ai suivi les jeunes qui cherchaient à s'évader mais c'était pas possible parce que Il y avait l'armée allemande et la gestapo française partout, et il y avait des barbelés partout, ce n'était pas possible. Mais j'ai réussi à m'évader parce que j'ai grimpé dans les toilettes pour me mettre au-dessus de l'eau, et je me suis caché entre le plafond et la réserve d'eau, et aucun soldat, aucun Français de la gestapo n'a pensé à lever la tête. Et quand j'ai entendu le silence, je, suis, je me suis laissé tomber par terre. Il n'y avait plus personne. Tous les autres raflés, tous les autres prisonniers étaient déjà dans les cars pour partir vers Auschwitz. Et je suis sorti et une infirmière m'a fait signe. Elle a vu que j'étais tout seul. Elle m'a fait signe. J'ai couru vers elle. J'ai plongé sous ce que je croyais être une ambulance et c'était une camionnette qui avait été réservée et dans cette camionnette, il y avait une dame qui était en train de mourir, j'ai plongé sous son corps et il y a eu deux survivants, cette dame qui n'est pas morte et moi qui étais été sous son corps. Wie viel 6 Situation? das Autopilot in Situation? 7 ans on arrive au, au mot « mort ». Le mot « mort » devient adulte, c'est-à-dire que avant 7 ans, 6 ans, on pense que la mort, c'est un voyage lointain sur un nuage. On va revenir longtemps après. Mmh. Et à l'âge de 6 ou 7 ans, le mot « mort » devient adulte et on comprend que c'est pour toujours, c'est absolu, c'est sans remède, on est mort pour toujours. J'avais 6 ans et demi et pour moi, le mot « mort », Uh, une, la mort sans remède possible. Mm. Heute sind Sie einer der wichtigsten äh, Forscher in der Resilienz, haben das, das Konzept auch sehr populär gemacht, waren lange Zeit Professor in Toulon, Neurologe, Psychiater, Verhaltensforscher, haben Bücher geschrieben zu den Themen Trauma, Resilienz, aber auch Erinnerung zum Glauben zum Beispiel, auch die Politik beraten habe ich gelesen. Überlegen Sie sich manchmal wie Ihr Leben wohl verlaufen wäre ohne dieses kindliche trauma. Je pense que le traumatisme a orienté ma vie, mais c'est vrai pour tous ceux qui ont eu un traumatisme on, ou bien on se remet pas à vivre, c'est le syndrome psychotraumatique, on est prisonnier du passé, on ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à l'horreur ou bien on se remet à vivre. C'est la définition de la résilience. La vie revient en nous, mais ça ne peut pas être comme avant. C'est une autre vie, forcément. Parce qu'on peut avoir une trace dans le corps, on peut avoir une trace dans le cerveau, mmh. et on a une trace dans la mémoire. Toute notre vie, toute ma vie, je suis celui qui a échappé à la mort. Celui, c'est dans mon identité. Je suis celui qui a perdu toute sa famille, soit dans l'armée française, soit dans la résistance. Das heißt, sie waren wirklich ganz alleine. Sie sprechen es an. Also ihr Vater kommt ursprünglich aus der Ukraine. Ihre Mutter aus Polen. Beide flüchteten dann vor dem Antisemitismus nach Frankreich, wo sie geboren wurden. Und äh, beide wurden dann nach Auschwitz deportiert. Ihr Vater war in der französischen Armee zunächst und äh, auch ihre Mutter hatte sie dann, musste sie dann weggeben an eine staatliche Fürsorgestelle. Ähm, und zwei Tage später wurde sie selbst auch äh, abgeholt und sie mussten sich dann verstecken, äh, waren bei, bei der Tante und bei Pflegefamilien und so weiter äh, unterwegs. Und dieses, dieses Leben, sich, dieses Schweigen, man darf nicht sagen, sie haben auch einen anderen Namen dann äh, annehmen müssen, Jean Laborde, glaube ich, war das. Ähm, und sie, muss, sie mussten immer schweigen, sie mussten sich verstecken. Wie, wie ist das? Als fünfjähriges Kind stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Wie haben Sie das erlebt? Pendant la guerre, j'avais compris que mon nom euh, désignait me condamner à mort, et on me l'avait dit. On me disait si tu dis ton nom, tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Mmh. Et ça, ça a été très lourd à porter, parce que j'avais un nom qui condamnait à mort tous ceux qui m'aimaient. Et Jean aborde, j'ai appris il y a pas longtemps que c'était le pire collaborateur français de la région de Bordeaux. J'étais donc caché sous le nom derrière le nom du pire collaborateur, mais quand la paix est revenue et la paix, c'est pas la fin du problème. La guerre est un problème et quand la paix revient, c'est d'autres problèmes qui se posent. Mmh. C'est que je suis devenu orphelin quand la paix est revenue. Pendant la guerre, il fallait que je survive. Donc j'ai accepté de me cacher derrière le nom de Jean Laborde. Mmh. Mais quand la paix est revenue, j'ai voulu reprendre mon nom, c'est-à-dire ne pas trahir mes parents. Mmh. J'ai voulu m'inscrire dans leur filiation et reprendre mon nom, et ça a été difficile, parce que beaucoup de gens me donnaient un autre nom. Euh, les Américains, mmh. en France, on disait que c'était les Américains qui étaient nos libérateurs, ce qui est en partie vrai. Euh, donc on voulait m'appeler Bob, mais moi je ne voulais pas. Je voulais m'appeler par le nom que m'avaient donné mes parents pour m'inscrire dans leur filiation. Der Grund, warum man sie töten wollte, war ja, weil sie Jude sind. ce was hat dieses Wort damals für sie bedeutet Absolument rien. Ce terme n'a aucune signification. Je ne savais pas que j'étais juif, je l'ai appris la nuit de mon arrestation. Parce que l'officier de la Gestapo française mmh. a dit à Mme Farge, chez qui j'étais caché et qui a risqué sa vie pour me protéger, et l'officier de la Gestapo a dit euh, Mme Farge a dit à l'officier, euh, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. J'ai donc appris que j'étais juif, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mmh. J'ai donc appris que ce mot, condamné à mort, je ne savais pas pourquoi. J'étais donc coupable de quelque chose, d'un crime que j'avais commis sans m'en rendre compte. J'avais sûrement commis un crime en toute inconscience. Mmh. Et ça, ça enracine euh, une culpabilité importante. Et cette culpabilité est un moteur moral. Dès l'instant où je me sens coupable, je ne peux pas tout me permettre. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis mis a travaillé sur le concept de résilience, mm -hmm. que je n'avais pas nommé. C'est une psychologue américaine, Amy Werner, qui l'a mm -hmm. nommé, Et j'ai travaillé avec Michael Reuters, un professeur anglais. Et c'est là que j'ai utilisé ce mot, mais c'est Amy Werner qui l'a proposé. Dans les années 50, c'était ça, exactement. Laissez-nous encore un peu, avant de parler de la résilience, un mot qui est aujourd'hui dans tous les et qui est un grand objectif et qui est beaucoup étudié aujourd'hui, Über das Trauma sprechen, weil das hängt da ganz eng zusammen. Und wie ein Gedächtnis funktioniert, ein sogenanntes Traumagedächtnis. Also, sie mussten dann ja mit diesen Erinnerungen leben und äh, mit diesen Splittern von Bildern, die einfach wiederkommen. Wie funktioniert so ein Traumagedächtnis? La saine est une qui Quand on, chaque fois qu'on vit, qu'on rencontre quelqu'un, qu'on connaît un événement, On ajoute la mémoire de la rencontre, la mémoire de ce qu'on a dit, on l'ajoute à la mémoire de ce qu'on a subi. Donc la mémoire saine évolue, elle change. On, comme disent les, les patients, les patients disaient, maintenant que je vais mieux, je ne vois plus les choses comme avant. Parce que les mots aident à voir le monde. C'est-à-dire que euh, la mémoire traumatique, c'est exactement le contraire. La mémoire, elle est figée, elle n'évolue pas. On ne pense qu'au malheur, on ne voit que l'image de l'horreur, on ne voit que j'ai été arrêté, j'ai été condamné à mort, j'ai été orphelin. Ça c'est le syndrome psychotraumatique qui n'évolue pas. On est prisonnier du passé. Es ist so eine Schockstarre auch des Gehirns, dass sich diese Bilder nicht mehr verändern und man keine Kontrolle hat über diese Bilder. Sie kommen einfach auf einen zu. Sie sind ja auch Neurologen, Sie kennen das Gehirn sehr sehr gut. Können Sie vielleicht mal an diesem Plastikgehirn <laughs> uns zeigen, welche Regionen denn uh, betroffen sind oder auch ge gelähmt sind. Sie werden wahrscheinlich viele Fehler hier sehen, <laughs> dass es nicht genau ist. Aber vielleicht können Sie mal ein bisschen erläutern. Das sind die Kameras ja. Alors, quand il y a un traumatisme, l'émotion est si forte que la couleur de la neuroimagerie passe au bleu ou au gris, c'est-à-dire que le cerveau ne traite plus les informations. Quand on est sécurisé par une relation, par un soutien, on a moins peur, le cerveau se remet à fonctionner. Si on est seul, on est prisonnier du passé, le cerveau ne fonctionne plus, et à ce moment-là, tout est bleu. Quand la vie revient, si on a été laissé seul trop longtemps, on voit que le circuit limbique, ici, c'est le cerveau de la mémoire et des émotions. Et on voit que il se, si on est seul, ce cerveau-là n'est pas stimulé et il est atrophié. Les neurones, la, les, les synapses, la jonction entre les neurones, sont atrophiés. Mais si on parle, on stimule cette zone-là, on ajoute la mémoire de notre rencontre, que je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais notre rencontre, et désormais elle va augmenter, elle va stimuler cette zone cérébrale. Mmh. Et le cerveau, le système limbique va apparemment se regonfler. il va s'hypertrophier parce qu'il est stimulé par la rencontre et stimulé par les mots, il est stimulé par l'émotion mm -hmm. et on peut le mesurer maintenant en neuroimagerie. Mm -hmm. Vielen Dank. Also was mich überrascht hat beim Lesen ihrer Bücher war auch zu sehen, dass das das Trauma oder die Schwierigkeit oder die Resilienz, das beginnt eigentlich erst nach dieser schwierigen Situation im Krieg, da funktioniert man. Und danach muss man mit diesen Erinnerungen irgendwie leben äh, können. Sie selbst haben ja ukrainische Wurzeln und derzeit der Krieg, der seit gut einem Jahr äh, tobt in der Ukraine und durch den Angriff äh, Russlands, das sind ja Hunderttausende, Millionen von Menschen, die jetzt traumatisiert äh, sind. Was, was, was heißt das? Wie sieht die, die Zukunft dieser Menschen, dieses Landes aus, aus Ihrer Sicht? Les adultes vont mourir, être ruinés et être très malheureux. Mais ils vont mettre une, deux ou trois générations à digérer cette guerre, à digérer ce trauma. Tout le monde est perdant, les Russes, les Ukrainiens et nous-mêmes. Tout le monde est perdant. Mais c'est le principe de la guerre et toutes les nations, toutes les civilisations se sont faites grâce à la violence guerrière. Les enfants, eux, ils sont en cours de développement, leur cerveau se développe très très vite, tous les neurones synaptisent mmh. sous l'effet des pressions du milieu. Dans un pays en paix, 70% des enfants arrivent à l'âge de 10 mois, ils ont acquis un attachement confiant, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en eux, et ils ne parlent pas encore parce qu'ils ont 10 mois, mais ils savent déjà soutenir le regard. Répondre par un sourire, s'orienter vers l'adulte, faire une offrande alimentaire, faire un babil adressé à l'adulte, il commence déjà à établir des relations. Dans un pays en paix, 70% des enfants ont acquis cette forme d'attachement qui va les socialiser. 30% des enfants n'ont pas acquis cette forme d'attachement parce qu'il y avait un malheur dans la famille, parce qu'il y avait la, pauvre, la précarité sociale. Euh, 30% des enfants démarrent difficilement dans la vie. Dans un pays en guerre, c'est 30% à 40% des enfants qui acquièrent l'attachement sécure et c'est 25% à 30% des enfants qui acquièrent un attachement pathologique mmh. dans un pays. C'est-à-dire que les enfants, 30% ou 40% des enfants d'un pays en guerre vont se développer avec des difficultés psychologiques vont certains s'ils sont entourés. Si on les aide à parler, si on les sécurise et si on leur aide à comprendre et à donner sens à ce qui leur est arrivé, on va déclencher des processus de résilience. Ça, haben sich schon zwei, drei wichtige Komponenten, Resilienzfaktoren genannt, nämlich die Beziehung, die Bindung, das Bindungsverhalten, aber auch die Sprache. Darüber werden wir gleich noch reden. Und interessant ist ja, dass Sie die Sprache dann lange verloren haben nach dieser Zeit nach dem Krieg nach dem Trauma sie konnten wie nicht die, sie schreiben die Worte waren wie eingefroren sie konnten nicht wirklich darüber sprechen und das hat interessanterweise auch mit dem umfeld zu tun gehabt Mögen sie das erläutern j'avais pas perdu la langue j'avais deux langues j'avais une langue que vous étiez capable de comprendre Et je ne parlais, je ne disais que ce que les autres étaient capables de comprendre. Et dans mon intimité, j'avais une autre langue, celle que vous ne pouviez pas entendre, parce qu'après la guerre, les Français ne voulaient plus entendre parler de la guerre. Ils voulaient se remettre à vivre. On peut admettre ça. C'est le déni culturel que presque tous les pays manifestent et qu'on peut accepter. C'est névrotique mais on peut l'accepter, les, les gens ont envie de se remettre à vivre, ils ont envie d'être heureux, on peut comprendre ça. Le déni, c'est pas la négation. Le déni, c'est je ne veux plus parler de ça, je veux être heureux. La négation, c'est la Shoah n'a jamais existé, votre malheur n'a jamais existé. La négation est un crime, c'est la poursuite du crime, alors que le déni est un mécanisme névrotique de défense qu'on peut accepter. Il n'est pas bien, mais on peut comprendre. Et donc cette, cette autre langue, c'était dans mon langage intérieur, dont je ne parlais jamais. Et là, les mots étaient gelés. Je savais que les mots étaient gelés parce que dès que je commençais à parler à des adultes, dès que je commençais à raconter mon évasion à des adultes, ils éclataient de rire. Parce que c'était impossible, c'était trop romanesque, ils ne me croyaient pas. Voilà, c'est ça. Ou alors, ils interprétaient ce qui m'était arrivé, ils l'interprétaient dans leur monde, avec leur langage à eux. Euh, tu as, arrête de te plaindre, tu dis que tu as souffert, mais nous aussi, on n'avait pas de beurre. Je vous promets que j'ai entendu cette phrase. Ouais. C'est-à-dire qu'ils interprétaient le fait d'avoir été emprisonné, condamné à mort, pour, pourchassé pendant la guerre, d'avoir perdu toute ma famille, ils interprétaient ça comme un analogue. Nous aussi, on n'avait pas de beurre, donc arrête de te plaindre. Et ils me faisaient taire. C'est eux qui gelaient mes paroles. Mmh. Et il a fallu attendre 40 ans pour que la culture ayant changé, il n'y avait plus de discordance entre mon récit intime et le récit culturel. Parce que les artistes, les philosophes étaient intervenus Anna Arendt, euh, Lanzmann, mmh. les films, les romans, beaucoup d'essais psychologiques et philosophiques. er Kultur verändert 40 ans après. Wahnsinn, erst so 1983, also mit 46 Jahren, gingen Sie dann auch an die Öffentlichkeit mit dieser Geschichte. Unglaublich lange gedauert. Davor war das wirklich in ihrer im geheimsten Inneren, in einer Krypta, in einer inneren Krypta schreiben Sie im Buch ein wunderschönes äh, Bild, also ein, ein Raum in der Kirche, wo auch die Reliquien äh, drin, drin sind und Sie haben gesagt... Frankreich hatte sehr spät den die ganzen Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet und auch sehr schlecht, lange verklärt. Man hat immer gesagt, halb Frankreich war in der Resistance äh, und so weiter. Und da, dabei war irgendwie das halbe Land äh, von dem Vichy-Regime äh, regiert, also nationalistisch-faschistische Politik. Ähm, und Sie haben es gesagt, dass Ihnen die Kunst auch geholfen hat, also Filme, Bücher und so weiter. Und das ganze Klima dann aufgetaut ist, dieses Tabu gebrochen wurde, diese Verdrängung, konnten Sie auch erst so spät darüber sprechen. Und Sie haben dann dieses Buch hier ähm, erst äh, mit 75 Jahren, also wirklich vor, vor gut zehn Jahren, äh, geschrieben. Wie war denn das? Sie gingen auch noch, noch mal in die Synagoge von Bordeaux glaube ich nach 50 Jahren dann wie war das denn diese Erfahrungen diese Erlebnisse noch mal im detail versuchen sich zu erinnern und aufzuschreiben was hat das mit ihnen gemacht Also, ich ne pouvais plus aller à bordeaux parce que dès que j'allais à bordeaux euh, ça me rappelait la guerre ça me rappelait la mort et puis 40 Jahre später, J'ai été invité à la synagogue où j'avais été emprisonné parce qu'il y avait des soldats allemands en armes, il y avait la Gestapo, il y avait des barbelés partout, il y avait des coups de feu, c'était la brutalité et la mort de la guerre. Donc je, ça, ça réveillait mon angoisse. Et puis euh, quand j'y suis retourné, dans mon souvenir, quand je me suis évadé, euh, je suis sorti de la synagogue, et il n'y avait plus personne l'infirmière, Mme Descoubès, il faut dire le nom de ce genre-là, hein. Mme Descoubès me fait signe de plonger sous le nom de la dame en train de mourir, mm -hmm. et dans mon souvenir, je cours à travers des escaliers, je dégringole les escaliers, comme dans le cuirassé Potemkin. Vous avez vu ce film, Le Grand... Le Grand... Dit, dit, oui. le grand, le grand un grand escalier, on voit... Un bébé, on un landau, on sait que dans ce landau, il y a un bébé, que le landau dégringole de plus en plus vite et que le bébé va mourir. Et dans, ma, dans mon souvenir, je courais dans les escaliers pour rejoindre l'infirmière qui m'avait fait signe. Et quand je, je suis arrivé à la synagogue, j'ai vu que, de, en sortant de la synagogue, il y avait deux ou trois marches avec de la mousse dessus ce qui était dans la réalité ne correspondait pas du tout avec ce qui était dans ma mémoire. Et pourtant, je vous assure que j'étais sincère. Je vous assure que ce que je voyais dans ma mémoire, c'était, je croyais que c'était la vérité. Ça veut dire que j'avais fait la jonction entre deux souvenirs. Le souvenir de la réalité et un autre souvenir du film du cuirassé Potemkin qui mettait en image l'émotion que j'avais ressentie et j'avais oui. deux sources différentes de mémoire, j'en avais fait un souvenir parce qu'il y a la mémoire inconsciente non consciente, les traces qui sont dans le cerveau et il y a la mémoire consciente et les souvenirs qu'on va intentionnellement chercher. La mémoire du passé, c'est une forme d'anticipation. On va chercher dans son passé les souvenirs qui donnent forme à l'émotion qu'on ressent aujourd'hui mmh. c'est pas le retour la mémoire c'est pas le retour du passé la mémoire c'est la représentation du passé on va on la construit on va chercher les mots mmh. on va chercher les mots les images on ment, on ment pas mais on fait une conjonction de différents souvenirs tous vrais et qui ne correspondent plus à la réalité mmh. parce que la mémoire a évolué et quand la culture m'a redonné la parole, grâce aux artistes, grâce à Hannah Arendt, la uh -huh. philosophe. Werden wir noch über sie sprechen, die berühmte deutsch Philosophin, genau. Oui, oui, il faut, il faut, il faut parler d'elle. Ja, ja. <laughs> donc, donc, grâce aux philosophes, grâce aux artistes, beaucoup les artistes, grâce euh, à romanciers. Euh, Schwarzbach en France avait eu un Grand Prix littéraire où il parlait du génocide, c'est-à-dire euh, il avait romancé euh, la mort de 6 millions de juifs dans des conditions incroyables. La technologie avait tué 6 millions de personnes innocentes, des sans-armes. Et la technologie, c'était la technologie des gaz, c'était la technologie des transports, c'était la technologie administrative. Les papiers font partie de la technologie. Et, et, et 6 millions de personnes ont été tuées comme ça, sans aucun sentiment de crime, sans aucune culpabilité. Et c'est un roman, Schwarzbach, qui, pour la première fois, m'a raconté le génocide de mes parents. Je ne savais pas ce que c'était. Et à ce moment-là, la culture a changé, et mon clivage, ce dont on parlait tout à l'heure, ma personnalité était coupée en deux. Une partie qui ne pouvait dire que ce que vous étiez capable d'entendre, et une autre partie... Qui ruminait en secret. Dès l'instant où ma culture, la culture m'a redonné la parole, j'ai pu m'exprimer. Vous étiez devenus capables de comprendre. Grâce aux romanciers, grâce aux philosophes, grâce aux cinéastes, l'art a une fonction très importante. D'ailleurs, on voit que après chaque guerre, il y a une explosion de littérature. On voit que dans les guerres euh, du, 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 du Proche-Orient. En Assyrie, dans les guerres, il y a des bas-reliefs. Les soldats sont sculptés sur les tombes. C'est des récits qui racontent ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut penser. Donc la culture ayant changé, je suis redevenu entier. Lassen Sie uns jetzt über diese, dieses concept der Resilienz sprechen, über das Sie so viel geschrieben und geforscht haben, das derzeit in aller Munde ist. Der Begriff kommt ja ursprünglich aus der Materialkunde, also so, dass ein Gegenstand so eine bestimmte Elastizität hat, also wie ein Schwamm zum Beispiel, wenn man Druck ausübt oder ihn zu Boden wirft, dann stellt er die ursprüngliche Form wieder her. Das wird dann auch übertragen über diese seelische Widerstandskraft, also wie man mit traumatischen belastenden Situationen umgehen kann und sich danach wieder entwickeln. Kann. Was würden Sie denn sagen so aus der Forschung? Was kann man derzeit sagen? Wovon hängt das ab? Was sind die wichtigsten drei, vier Faktoren für diese seelische Widerstandskraft, für diese Resilienz? Eh bien, vous avez bien souligné le contre sens, que il y a dans la définition des matériaux de la résilience. Vous avez vous-même employé le mot résistance. La résistance c'est dans l'affrontement, c'est pas dans la résilience. Mmh. Or, effectivement, les marins, les métallurgistes emploient le mot mmh. résilience à qui ils donnent une signification particulière qui n'est pas la nôtre. Mmh. Mmh. La meilleure, la plus poétique définition de la résilience c'est celle des paysans. Et les paysans disent qu'un sol est résilient quand après une inondation ou un incendie, une autre faune, une autre flore réapparaît mais ce n'est pas la même. Okay. Mmh. La vie revient, mais pas comme avant. Et vous avez bien dit, les, matériaux, les métallurgistes disent que le, 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 métal, le métal redevient comme avant. Et la résilience ne redevient pas That comme avant. Mais il quelque chose de nouveau, d'autre, c'est important. Voilà, c'est ça. Mmh. Il y a une métamorphose. Et si on apprend à parler, si on est soutenu, si on a quelqu'un qui nous donne la parole, parce que la parole, on peut l'apprendre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui partage la parole. Donc si quelqu'un nous donne la parole et si on peut faire un travail de la parole, là on peut déclencher un processus de résilience parce qu'on ne modifie pas le réel, on modifie la représentation du réel. C'est-à-dire qu'on modifie la manière dont le drame, la, la tragédie nous est arrivée. Or, le sol, la définition des paysans, c'est la plus scientifique. Il faut calculer le sol comme nous on calcule les interactions précoces, les mille premiers jours. Notre président, le président Macron, m'a demandé de diriger une commission sur les mille premiers jours. C'est là que les enfants acquièrent les facteurs de protection. 300 jours dans l'utérus, dans le ventre des femmes, 300 jours dans le corps des femmes avec une famille, et 300 jours dans la fabrication lontogenèse de la parole, c'est-à-dire la construction graduel de la parole sous l'effet incessant des pressions du milieu. Et quand ces mille premiers jours sont bien en place, 70% des enfants dans toutes les cultures en paix, 70% des enfants ont acquis des facteurs de protection. Quand le malheur arrive, ils souffrent, mais ils ont la confiance en eux, ils savent parler, ils cherchent autour d'eux qui va les aider, et là, ils ont une probabilité de déclencher un processus de résilience. Alors que si on les a laissés seuls, s'ils si ont acquis des facteurs de vulnérabilité, le même coup, ils vont pas le surmonter. Ils ne, mmh. Là, ils vont pas la résistance, pas la résilience. La résistance sera mauvaise parce qu'ils sont déjà vulnérables à cause d'un mauvais départ dans mmh. la vie. Das heißt der Anfang des Lebens est ganz wichtig, die ersten tausend euh, Tage, euh, das Bindungsverhalten, auch die Sprache, die Sicherheit, die Geborgenheit, die man mitbekommt. Und wichtig ist ja auch so etwas wie, wie Optimismus, habe ich gelesen, oder die Selbstwirksamkeit, nennt man das in der Psychologie. Eine Kontrollüberzeugung, die Idee, dass man selbst auch die Dinge noch verändern, gestalten kann, den Dingen einen Sinn geben kann. So. Ähm und für Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, für Sie war auch die Fantasie wichtig. Also vielleicht so die Flucht in Fantasiewelten, dieses Tagträumen und so weiter, weil man da die Dinge noch beweglich halten kann und sich eine Geschichte, eine erträgliche Geschichte irgendwie äh, vergegenwärtigen kann. Mais oui, c'est exactement ça. C'est que euh, lorsque, après un Traumatisme, si on sécurise les gens et si on les aide, Si et à comprendre ce qui leur est arrivé, il modifie la manière de ressentir le réel. C'est-à-dire que le sens qu'on donne aux choses, aux événements, modifie la manière dont on les ressent émotionnellement. Donc ce n'est pas le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Hein. C'est Descartes qui nous a fait le coup. Hein. Il ne faut pas le croire. Hein. C'est <laughs> qu'en fait, les deux interagissent constamment. Ce n'est pas séparable. Les deux interagissent constamment. Mais on a une possibilité d'agir sur le corps en sécurisant et d'agir sur l'âme en parlant. Là, on a un degré de liberté. C'est oui. ce que nous en prend Anna Arendt. Oui. On a un degré de liberté. Et là, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité si on ne le fait pas. Et beaucoup de cultures ne l'ont pas fait. La culture française, pendant 40 ans, ne l'a pas fait. Alors, et c'est les artistes qui ont permis de changer cette idéologie du malheur et de permettre la résilience. Mais ça veut dire que les mille premiers jours ne sont importants. C'est là que les enfants acquièrent des facteurs de protection. Si l'inévitable épreuve arriveront dans leur vie, ils vont souffrir, mais ils vont garder la confiance en eux. Dans ma mémoire, on m'a soutenu, je souffre, mais je sais qu'on va me soutenir. Donc je reprends. Espoir mmh. et je me mets à rêver. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut trainer Peut-on résilience trainer en se mettant peut-être à petits résistances et comme un muscle que l'on belaste et qui se développe Ou est-ce une fausse Eh bien, le, le cerveau que vous avez montré tout à l'heure, mmh. on peut le muscler, on peut le développer. Je travaille avec des gens. Qui, euh, dans, dans mon équipe, il y a des neuromusiciens, des neuromusicologues. Mmh. Et lorsqu'on fait des neuroimageries, on voit que chez un pianiste, la zone des doigts, qui est à peu près, là c'est la, la frontale ascendante, et ici il y a la, la bouche, la jambe, et ici il y a la zone des doigts chez un pianiste la zone des doigts est hypertrophiée mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. elle est parce comme un muscle mm -hmm. c'est à dire de même que si on parle si on évoque la mémoire la zone limbique la zone de la mémoire est hypertrophiée parler c'est un acte okay. c'est un acte il y a le, qui stimule le cerveau Faire c'est intéressant. Hilft, resilient voilà. Et faire de la musique, ça renforce une autre zone cérébrale. La zone des mots parlés est antérieure. La zone des mots parlés, elle est par ici. La zone des mots entendus, elle est par ici. La zone des mots lus dans un livre, elle est par ici, près de la zone des images. Et la zone des mots qui va faire un récit, elle est près du lobe préfrontal qui passe au rouge c'est-à-dire que les neurones consomment de dégagent de la chaleur parce qu'ils consomment de l'énergie, et je passe, à passe au rouge, ça travaille, je réfléchis, je parle, c'est l'acte de parole, et à ce moment-là, je fais un récit qui va changer votre monde mental parce que vous allez entendre ce que j'ai à vous dire, et désormais, je vous ai transformé en vous racontant mon histoire. Vous ne serez plus jamais le même. C'est-à-dire que... La parole est donc un acte oui. et c'est aussi une intermentalité, à condition qu'il y ait une structure et que jamais le sujet ne soit laissé seul. Parce que si un sujet est abandonné, il n'y a pratiquement pas de possibilité de résilience. C'est mm -hmm. intéressant et ça erinnert mich auch an den Philosophen Hans Blumenberg, der gesagt hat Wir brauchen Erzählungen, wir brauchen Mythen gegen den Absolutismus der Wirklichkeit. um sozusagen mit der Fantasie auch dagegen zu arbeiten. Und Sie haben ja nicht nur über die Sprache und das Gedächtnis nachgedacht, sondern auch über den Glauben, über Religion, über Spiritualität. Und Sie sagen, auch das, auch der Glaube, die Spiritualität ist, kann ein Resilienzfaktor sein, wenn ich Sie richtig verstehe. La Religion ist uh, ein Faktor kulturell. La, puisque ça dépend de là où on, où on arrive au monde. Si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui, vous avez une forte probabilité de devenir musulman, beaucoup mm -hmm. plus que bouddhiste. Donc il y a une faille, la religion est importante, mais elle est culturelle. Ça dépend des cultures. Mm -hmm. Alors que la spiritualité, probablement, dépend de la condition humaine. Nous, êtres humains, nous sommes les seuls capables d'avoir un cerveau. Capables de complètement décontextualiser une information, les animaux vivent dans un monde qui proche des informations sont sensorielles. Mm -hmm. Elles sont proches du contexte. Ils ne peuvent pas sehr Ils sont très wahrnehmung avec la perception, avec les besoins mm -hmm. Voilà, c'est ça. Ils peuvent alors, ils peuvent commencer une abstraction. Euh, les chiens qui sont humanisés, il y a beaucoup de chiens qui vivent avec les hommes. Hein. C Et ces chiens, certains chiens, comprennent deux ou trois cents mots différents. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins de trois cents mots. <laughs> <laughs> C'est-à-dire que... <laughs> C'est-à-dire que... <laughs> <-à> que... <laughs> Mais nous, êtres humains, on est capable grâce à la parole, on est capable de imaginer se représenter un monde totalement impossible à percevoir je suis dans la montagne je vois la montagne je me pose la question qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne que je ne vois pas mais je sais qu'il y a un autre monde de l'autre côté de la montagne. Je sais qu'après la mort, il y a un autre monde. Les Égyptiens pensaient que la mort était simplement un changement de vie. On passait d'une vie à l'autre. Et beaucoup d'êtres humains aujourd'hui pensent que la mort est un passage et qu'après la mort, on va vivre ailleurs. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup de religions et beaucoup d'êtres humains qui pensent ça. Ça, je pense que les animaux ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un cerveau qui traite les informations du contexte. Alors que nous qui sommes capables de fabriquer des mots et des récits, on est capable de se représenter quelque chose de totalement impossible à percevoir, Dieu. Maintenant, nous sommes au point de exactement. Donc, ça aussi, ça la langue, avec la capacité d'abstraction. Maintenant, je voudrais m'intéresser à un Wenn wir darüber nachdenken, dass Resilienz derzeit so ein Hype erlebt und ähm, wir das so wichtig finden, auch gesellschaftliche Resilienz und so weiter, wird immer wieder gefordert, dass wir das stärken auch. Ähm, Dann gibt es auch eine K Kritik daran, die sagt, das ist ein sehr neoliberales Konzept, eine Idee eigentlich, dass wir jetzt uns wappnen und stärken müssen, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Friedrich Nietzsche und wir psychologisieren das, aber wir entpolitisieren das auch. Wir sagen, es ist keine Ursachenbekämpfung gegen Krieg, gegen Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, Diskriminierung, sondern wir müssen es ertragen, wir müssen stärker werden. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik? Alors pendant longtemps j'ai éclaté de rire quand j'ai entendu cette critique, je rentrais de Roumanie où j'avais vu des enfants abandonnés sans altérité La seule altérité, c'était leur corps. Ils ne parlaient pas, il n'y avait pas d'altérité, ils ne pouvaient pas apprendre à parler. Mmh. Donc leur seule altérité, c'était leur corps, et ils se griffaient, ils s'auto-agressaient, ils se tapaient la tête contre les murs, puisqu'il n'y avait pas d'altérité. Et quand j je rentrais de Roumanie, où j'ai entendu cette critique, je me suis dit, voilà l'exemple de libéralisme, voilà l'exemple, c'est stupide. C'est scandaleux, c'est stupide. Et j'ai fini par découvrir d'où venait cette remarque. Ce sont effectivement euh, deux chercheurs américains euh, quand il y a eu l'inondation de New Orleans. Le Mississippi a monté et a noyé euh, tous les gens qui habitaient dans, euh, près du Mississippi. Et là, il y a eu des travaux qui ont été faits pour évaluer les syndromes psychotraumatiques. Et la conclusion de ce travail, ça a été euh, les noirs. Habite, les Noirs ont souffert be beaucoup plus de syndromes psychotraumatiques que les Blancs, donc les Blancs sont plus résilients, ils sont de meilleure qualité que les Noirs. C'est un raisonnement ignoble, c'est un raisonnement raciste, qui a fait une faute méthodologique de débutants, mais je crois que cette faute était intentionnelle, c'est une faute de débutants, il y avait, il n'a introduit qu'une seule variable. En effet, les Noirs ont eu plus de syndromes psychotraumatiques que les Blancs, parce que les Noirs étaient plus pauvres. Ils ont vécu donc près du Mississippi. Les Blancs plus riches et plus éduqués avaient des maisons en hauteur. Donc, en effet, ils ont eu moins de syndromes psychotraumatiques que les Noirs. c'est pas parce qu'ils sont de meilleure qualité. C'est parce que la société leur avait permis de gagner plus d'argent et d'acheter des maisons okay. en hauteur. Donc, ce travail que j'ai fini par retrouver... Est un travail ignoble. C'est alors que euh, euh, je ne ris plus. Au début, ça me paraissait tellement stupide que ça me faisait rire. Maintenant, ça me fait plus rire. Mm -hmm. Donc, je pense que là, il y a une intention d'utiliser un concept pour essayer de le récupérer idéologiquement. Ça, ja. c'est le stichwort idéologie. Ça, c'est, aussi le thème de leur livre, qui est sorti récemment en da Il s'agit de totalitäre systeme, wie die auch entstehen, äh, können um mitläufertum, um konformismus, also zum beispiel auch nationalsozialismus, stalinismus und so weiter, haben sie eine antwort gefunden, warum äh, einige menschen mehr zum mitläufertum und zu fanatismus neigen als andere? parce que la soumission intellectuelle est un excellent tranquillisant. Je n'ai pas besoin de faire l'effort de réfléchir. Mon chef me dit ce qu'il faut croire et ce qu'il faut dire. Tous les langages totalitaires appliquent cette méthode et tous les dictateurs ont été adorés. Hitler a été adoré, Staline a été adoré. Tous les dictateurs ont eu leurs adorateurs parce que c'est confortable. Je viens de citer encore une fois Anna Arendt, confortable servitude. La liberté intérieure exige un recul. Tu me dis ça, ça m'intéresse, je vais prendre un peu de recul, je vais demander à quelqu'un d'autre, lire un autre livre, voyager, je vais prendre un temps pour juger, pour réfléchir. Si je suis d'accord avec toi, on va être amis. Si je ne suis pas d'accord, il va falloir qu'on argumente et on risque de se disputer. La liberté intérieure est coûteuse sur le plan émotionnel. Alors que la soumission à un récit collectif, si vous voulez n'avoir que des amis, récitez, arrêtez de réfléchir. Récitez, et là, vous n'aurez que des amis. Mmh. Si par malheur, vous réfléchissez un peu, vous risquez de perdre vos amis. C'est ce qui est arrivé à Anne Arendt. Quand elle a dit que Eichmann n'était pas un monstre, mais que c'était un petit monsieur, elle a perdu des gens qu'elle aimait beaucoup, qui l'ont haï. Elle a été haïe par les juifs qui avaient besoin de faire un raisonnement simple, puisque Eichmann a tué des centaines de milliers de personnes avec un stylo. Ouais. L'arme du crime, c'était un stylo où il condamnait à mort des gens qu'il n'avait jamais vus, avec la soumission totale à un régime. Das ist ganz wichtig, auch wieder diese Abstraktion oder diese Entfremdung. Es ist nur mit einem Stift, er macht ein Kreuz und es sterben Tausende und Millionen von, von, von Menschen. Und Hannah Arendt, die Sie schon mehrfach zitiert haben, hat auch darüber geschrieben, über diesen Eichmann-Prozess, auch der, die Formel geprägt der Banalität des Bösen, die man sehr gut kennt, hat über Totalitarismus geforscht und diese innere Freiheit, mit der Sie sie zitieren, die ist interessant, weil sie ist ja auch unangenehm. Weil man kann die Freunde verlieren, wenn man sozusagen wagt, eine andere Meinung zu haben und auch Kritik zu geben. Wie haben Sie mit diesem Kompromiss gelebt, mit dieser inneren Freiheit, die irgendwie auch einsam macht? Eh bien, ich habe ein bisschen die gleiche Erfahrung gehabt wie Anna c'est-à-dire, qu'après la guerre, en France, la plupart des Juifs étaient poussés vers le Kommunisme. Ja. et parce qu'il pensait que le communisme était une manière de s'opposer au nazisme avant de découvrir qu'il y avait aussi de l'antisémitisme à gauche, comme on le voit beaucoup réapparaître aujourd'hui. Et donc j'ai commencé ma carrière politique à l'âge de 14 ans, dans les jeunesses communistes, et j'ai été envoyé en Roumanie à l'âge de 16 ans, mmh. où ce que j'ai vu correspondait pas tout à fait à ce qu'on m'avait raconté. On m'avait raconté un paradis. C'est une utopie généreuse et dangereuse. Mmh. Et quand j'ai été en Roumanie, j'avais l'adresse. J'ai un oncle qui avait fait la résistance à l'âge de 18 ans dans les FTP MOI, c'est-à-dire des résistants communistes en France. Il y avait beaucoup de Roumains qui étaient venus s'opposer au nazisme en France. Donc j'avais des adresses, un carnet d'adresses. Quand j'ai visité ces Roumains, ils étaient tous dans des. Euh, dans des hôpitaux psychiatriques. Je disais, c'est quand même curieux que ils soient tous devenus fonds. Et en fait, ils avaient été hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques pour les rendre fonds en leur donnant volontairement trop de médicaments. Donc, euh, je suis rentré, j'ai dit à mes amis communistes, euh, ce que vous m'avez raconté, que j'ai cru, ne correspond pas tout à fait avec ce que j'ai vu. J'avais aucune hostilité, je leur disais, expliquez-moi. Et euh, ils m'ont dit, si tu ne crois pas comme nous, ce n'est plus la peine de rester avec nous. Donc ma carrière politique, qui a commencé à l'âge de 14 ans, s'est terminée à l'âge de 16 ans, et j'ai perdu, perdu tous mes amis. Alors ouais. c'était moins grave. Ja, sie haben sich auch sozusagen verloren in einer Ideologie, in einer Utopie, wie sie sagen, und dann die Realität entdeckt und dann entdeckt, dass das nur ein, sie schreiben sogar ein logisches Delirium, also man konstruiert sich eine, eine Welt, die klar ist, die rein ist, die konsistent ist, aber die hat nichts mit der Realität zu tun. Was schützt uns denn davor, uns zu verlieren in so einer Ideologie, die aufgeht, aber die irgendwie an der Realität vorbeigeht? Alors, il y, y, y a des délires logiques religieux, il y a des délires logiques euh, profanes, il y a des délires logiques économiques, il y a même des délires logiques scientifiques. Lysenko, ami de Staline, était un biologiste des plantes, et il a fait arrêter et déporter tous les biologistes qui n'avaient pas la même théorie que lui sur l'âme des plantes. Donc, il peut y avoir aussi... Un délire logique scientifique. L'exemple que je propose pour expliquer le délire logique, c'est l'esclavage. Euh, J'ai vu des documents disant que il, fallait, il faut conserver, il faut continuer l'esclavage parce que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. Ce qui est logique, c'est vrai. Mmh. Si on fait paye, si on paye des hommes pour travailler, le prix du sucre va augmenter. C'est logique. C'est absolument fou, c'est délirant, couper la réalité sensible, parce que pour ne pas augmenter le prix du sucre, on a pillé, détruit les cultures africaines, on a rendu 40 millions de personnes malheureuses, déportées, tuées, humiliées par l'esclavage, pour que le prix du sucre n'augmente pas. Donc ça c'est l'exemple du délire logique. On est entouré de délires logiques, que ce soit des délires logiques fanatiques, religieux. De délire logique euh, euh, politique, de délire logique scientifique, comme l'exemple que je vous proposais tout à l'heure. Le seul moyen, c'est de faire des groupes de recherche scientifique avec des disciplines différentes. Tu es musulman, tu as raison, c'est tes racines, c'est ta famille, c'est les gens que tu aimes, c'est ta vision du monde, c'est respectable. nécessairement respectable. mais tu dois apprendre, apprendre qu'il y a d'autres religions tout autant respectable. le, le, catholicisme, le protestantisme. Das, heißt, das heißt, wir müssen vielfalt lernen, damit umzugehen, tolerant sein, den dialog mit andersdenkenden suchen. das ist auch das, was der israelische schriftsteller amos oz gesagt hat. ich durfte kurz vor seinem tod mit ihm ein gespräch führen in, in israel. Und wir haben da auch über die Wurzeln des Fanatismus gesprochen und darüber, welche Rolle äh, denn Gefühle spielen, wie zum Beispiel Angst und, und Wut. Wir hören immer zu. Angst und Wut wirken wie Öl aufs Feuer. Oft bekämpfen wir jemanden oder etwas, weil wir den Menschen oder die Situation nicht kennen oder nicht kennen wollen, weil wir Angst haben. Nicht nur fürchten wir das, was uns dabei widerfahren könnte, sondern auch, dass man uns beeinflussen könnte. Wir haben Angst, dass die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden unsere Ansichten oder unsere Gewohnheiten verändern könnte. Das fällt uns schwer, denn wir hängen an unseren Ansichten, an unserer Denkweise. Aber ich glaube, es gibt Mittel gegen den Fanatismus. Zum Beispiel der Sinn für Humor. Ich habe noch nie einen Fanatiker gesehen, der Sinn für Humor gehabt hätte oder einen Menschen mit Sinn für Humor, der Fanatiker geworden wäre. Wer Sinn für Humor hat, ist fähig, manchmal über sich selbst zu lachen, sich selbst aus dem Blickwinkel anderer zu betrachten. Das ist sehr wichtig. Nicht, weil Jesus sagte, man müsse die andere Wange hinhalten oder sich mit Füßen treten lassen. Nein. Man muss einzig anerkennen, dass es mehr als einen Standpunkt gibt. Mehr als eine Sichtweise. Ja, Humor als die Fähigkeit oder das Befreiung des Denkens, die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, auch über sich selbst lachen äh, zu können. Sie haben genickt, als sie ihm zugehört haben. Mais bien sûr. Uh, Nietzsche, votre ami, votre collègue, <laughs> Nietzsche disait ⁇ L'humour, c'est la politesse des désespérés ⁇ C'est une phrase très jolie, ⁇ Je souffre, mais je ne veux pas que tu aies pitié de moi ⁇ Donc je vais prendre un peu de recul et je vais métamorphoser l'horreur de ce qui m'est arrivé en te faisant sourire. Ça me permettra de dire quand même ce que j'ai. Besoin de te dire, mais sans t'indisposer, sans te mettre mal à l'aise. Mais je vais te le dire, tu vas sourire, on va pouvoir en parler. Alors que je pourrais me fâcher. Si je me fâche, je vais te radicaliser. On va se mettre, ça va être un mot contre un autre. On ne pourra plus s'entendre. Ou je vais me taire. Si je me tais, je ne pourrai pas me faire entendre. Donc l'humour est un bon mode de relation. Et effectivement, comme le dit Amos Oz, il euh, y avait. L'acte d'humour en régime communiste, l'acte d'humour était considéré comme un acte de rébellion. C'est-à-dire mmh. que il fallait encenser Staline et surtout pas le critiquer, faire rire de Staline. Mais vous n'y pensez pas, c'est un blasphème. C'est-à-dire que dès faire rire de Dieu, les, la religion juive taquine Dieu. Pour, mais mais c'est la seule religion, je crois, qui est capable de le faire.

de rire, c'est que je suis proche du syndrome psychotraumatique. C'est que là, je suis débordé et mes mécanismes de défense sont envahis. Je n'ai même plus la force de maîtriser mes émotions par l'humour, par la parole, par la relation. Et là, c'est un, un très mauvais signe. C'est signe que là, je suis en train de sombrer. Mmh. Mmh. Es ist interessant, ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass die nach einem Trauma sind die ersten zwei Tage, glaube ich, ganz entscheidend. Also die erste Zeit, wenn man jetzt äh, nach einem Erdbeben oder, oder nach irgendetwas Schrecklichem, was passiert ist, dass man dann sozusagen die Psychologinnen und Psychologen versuchen, gleich danach was äh, zu machen und, und zu helfen. Ähm, warum ist dann diese, diese, dieser Moment nach dem Trauma, nach der schwierigen Situation so entscheidend? Alors, il y a une réponse claire, c'est que lorsqu'on est traumatisé, qu'on est seul, il n'y a pas de possibilité de résilience. On est seul face à l'horreur, on ne pense qu'à ça. Il suffit dans un premier temps qu'il y ait quelqu'un d'autre, un soutien affectif qui peut être préverbal, qui peut être une tasse de café, qui peut être une simple présence, je ne suis pas seul. Je n'ai pas la force de parler maintenant, mais je suis avec toi. Mmh. Et quand je serai apaisé, je pourrai parler. Je sais qu'on a déjà une relation. Mmh. Donc, la compréhension, le travail de la parole, certains veulent qu'il intervienne tout de suite, mais d'autres veulent qu'il y, qu y ait un temps de sécurisation d'abord et ensuite le travail de la parole. Parce mmh. que c'est vrai que si on fait parler les gens trop tôt, on risque de renforcer le mécanisme de l'horreur. On risque wichtig, de renforcer yeah. la man mémoire. On ne doit pas les forcer à parler trop tôt, mais on doit leur donner la présence, le sentiment d'être en sécurité, et on est là pour eux. Voilà, c'est ça. Yeah. Si on les force à parler trop tôt, alors qu'ils sont encore en confus et en période d'angoisse, on ajoute la mémoire de ce qu'ils ont dit à la mémoire de ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire qu'on renforce le syndrome psychotraumatique. Alors, il y a des traumatisés, il y a une très grande inégalité des traumatismes. Il y a des gens qui, sont, qui traversent l'horreur sans traumatisme et d'autres qui sont traumatisés pour la mort du petit chat. Euh, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, celui qui est traumatisé par la mort du petit chat, ça peut être celui qui a été d'un courage extraordinaire pendant des années et pendant des années. Et la mort du petit chat, c'est trop pour lui. J'ai suivi un pompier pendant un moment qui avait été en France d'un courage extra extraordinaire, qui avait été au Liban, qui avait, fait des, qui avait été vraiment physiquement et moralement d'un courage extraordinaire, et il va à Sarajevo et il voit des enfants jouer pieds nus sur la glace. Ces enfants le faisaient tous les hivers et pour lui, tout d'un coup, c'est insupportable et il se met à pleurer. Mmh. C'est un homme costaud. Mmh qui avait accumulé, qui avait affronté et là il pouvait plus affronter. Mmh. Donc je pense que dans un premier temps, il faut d'abord sécuriser le soutien verbal si le, la personne le souhaite ou préverbal, c'est suffisant. Mmh. Et ensuite, quand les gens sont apaisés, alors là on fait le travail de la parole, il faut qu'on t'aide à comprendre ce qui t'est arrivé parce que la compréhension modifie la manière de ressentir le réel. Mmh. herr sirunik wir sind schon fast am ende des gesprächs zum glück noch nicht ganz ich habe noch ein bild gefunden von ihnen als sie ungefähr sechs jahre alt sind wir schauen uns das mal an ein foto ähm, wenn sie diesen jungen sehen von, von damals und sie könnten in der zeit zurückreisen ähm, was würden sie ihm sagen wollen oder mitgeben möchten? Ben, vous voyez sur cette photo que je n'ai pas changé. Hein? Nein, überhaupt nicht. Alors, Mais c'est vrai. Je dirais à cet enfant si tu as la chance d'avoir acquis des facteurs de protection avant l'apparition de la parole, tu vas souffrir. Même si tu souffres, tu gardes en toi l'espoir. C'est possible. Il faut travailler il faut réfléchir tu peux te remettre à vivre. Mmh. Si tu n'as pas eu la chance, si tu as acquis des facteurs de vulnérabilité, ça reste encore possible, mais il faudra travailler encore plus. Il faudra trouver des gens qui vont te secourir, qui vont t'entourer. Donc dans les deux cas, dans un premier cas, la résilience sera facile. On voit des gens se remettre à vivre très rapidement. Dans un deuxième cas, la résilience sera possible, mais il faudra travailler plus, sachant que... C'est pas linéaire c'est descartes qui nous a fait apprendre à une cause analyser un fait pour qu'une cause provoque un effet c'est vrai dans, dans un laboratoire c'est vrai pour une démarche scientifique c'est pas vrai pour une démarche clinique dans une clinique quand quelqu'un s'assoit près de moi il s'assoit avec son corps avec son cerveau avec son histoire avec sa religion avec sa famille avec avec ses blessures. Mm. Et moi, praticien, j'ai besoin d'avoir de, des connaissances dans des domaines différents, mm. dans la diversité psychologique et sociale. Et à ce moment-là, donc, c'est pour ça que dans mes groupes de recherche, il y avait des gens de disciplines différentes. Ach, David, die Vielfalt, ja, ganz wichtig. Vielleicht noch eine letzte Frage. Damals, mit sechseinhalb Jahren, euh, wurde Ihnen klar, dass man Sie töten wollte. Sie mussten über den Tod nachdenken. Aujourd'hui, vous avez 85 ans. Est-ce que le mort est quelque chose dont vous pensez ou avez-vous déjà vos pensées à ce sujet Il me rajeunit. J'aurai 86 ans dans trois mois. Merci. De... <rire> <laughs> <rire> <rire> Alors, ben, oui, euh, je, bien sûr, je pense à la mort. Statistiquement, euh, elle est probable. Et même, elle est de plus en plus probable, elle devient de plus en plus réelle. Donc, bien sûr, je pense. Euh, à que la... vous euh, Je pense que ça ne m'empêche pas de vivre, tant que je serai vivant, je ne serai pas mort. Donc, tant que je serai vivant, je ferai des projets, je chercherai à comprendre, je chercherai à rencontrer. Et tant que je ne serai pas mort, j'espère éprouver le plaisir de vivre donc de chercher et de comprendre. Das nehme ich sehr gerne als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, Boris Sirilnik. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est le plus Entretien que j'ai fait. C'est avec vous. <laughs> Merci beaucoup. Ja, was denkt ihr über Resilienz und wie geht ihr mit belastenden Erfahrungen im Alltag um? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wie immer findet ihr hier zwei spannende Gespräche zum Weiterdenken und ihr könnt uns abonnieren. Danke fürs Weiterempfehlen und auf bald.